Qu'est-ce que vous pensez pour aider ce pays aujourd'hui à sortir de cette situation assez grave? Je crois bien qu'il ne me paraît pas inutile de vous rappeler les grandes responsabilités que j'ai eu à assumer. Premier directeur de cabinet du président de la République, ce n'était pas donné à qui que ce soit. Ministre d'État, ministre de tout, de X et Y. Et j'ai apporté ma petite contribution lorsque j'étais à cette fonction dans le cadre du règlement de certaines difficultés, qu'elles soient d'ordre sportif, syndical et politique. Après sept mois de détention, je reste toujours fidèle et je crois bien que le président restera toujours attaché à cette vertu de dialogue et qu'il s'élèvera pour que toutes les voies du dialogue puissent permettre d'apaiser ce pays. Les conseillers ne sont pas les bons maîtres. Monsieur le ministre.